Eh bien bonjour à tous et à tous amis, c'est Fox Ross et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une vidéo réaction sur la bande-annonce de Luigi's Mansion 3 qui sort le 31 octobre sur Nintendo Switch. C'est parti. Comme Mario Party MDR. Chien Luigi. Best hotel ever. Inoubliable, ça c'est le mot. La chasse aux fantômes reprend le 31 octobre avec Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch. Le jeu a l'air stylé. Le problème c'est que j'ai pas la Switch. Je fais une vidéo réaction d'un jeu que j'aurais pas. Sauf que le délire, je me suis dit. Comme j'ai fait un truc à la base de Smash Ultimate, pourquoi pas faire Luigi's Mansion 3? Comme on est dans le thème d'Halloween et tout là, en plus il sort bientôt. Du coup, vidéo. Ben, je voulais faire ça avec le Zelda Link's Awakening Remake, mais j'ai pas pu, j'ai pas eu le temps. Genre, pile quand genre j'ai eu l'idée, c'était après quand le jeu était sorti. Donc le jeu a l'air stylé. Mais je. Je crois qu'il y a une autre bande-annonce où j'en vois plus. Nintendo à l'E3. Ah voilà, elle. Mais elle est en anglais. Elle sortira chez Nintendo France, mais elle est en anglais. Il a l'air tellement bien le jeu. Mario. La qualité des OS elle est nulle. C'est juste que mon téléphone sinon il rame comme un porc. Quand il dort d'un coup. Ça m'a tué pendant la bande-annonce. Oh le logo il est tellement beau. Je sais pas pourquoi mais il est beau le logo. Il y a les sous-titres, hein, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Ils sont agressifs. Il suffit de les effrayer avec le spectroflash pour les aspirer. Je sais plus comment ils s'appellent. Et là, Electoblast, GLU, Glu, pour ceux qui n'avaient pas compris. La ref. Tellement stylé la ref. En plus, maintenant, il y a Gluigi, je crois. Mais j'ai pas tué. Alors, regarde comment il est violent, Luigi, dans ce jeu. Il est violent. Il est violent. Regarde la violence. Le jeu, il va être PEGI 18. Violence modérée. Hein. Regarde, il est violent. Hein. C'est vrai que c'est le truc qui s'appelle glue. Parce que. Genre, c'est collant. Genre, tu colles les trucs pour les jeter. Mais il est violent, Luigi, dans ce jeu. Hein. Il a l'air stylé. Hein. J'aime bien taper des trucs, moi. Wah, 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 wah. Désolé. Ah oui, ça j'avais pas compris. Genre il vole à moi. Oh, catastrophe. Professeur catastrophe. Et voilà, Gluigi, il est apparu dans Luigi's Mansion le remake, pour ceux qui savent pas. Pourquoi ils l'ont pas mis en skin dans Smash Bros Ultimate? En skin de Luigi. Oh, violence même avec les pastèques. Mais ce jeu, il a l'air stylé parce qu'il y a tellement... genre, chaque étage a un univers différent. Du coup, c'est stylé. Genre, t'as un étage, genre, c'est jardin. Après, l'étage du haut, genre, c'est... préhistoire. L'étage du haut, c'est... voilà, c'est des trucs comme ça. Ah oh, ouais. Genre, ah oui, c'est vrai, on peut jouer à 8, je crois. 4 Luigi normal et 4 Luigi. Le truc de policier sur la tête. Oh, ça doit être tellement bien. Genre, dans ma vie, je crois que j'ai fait qu'une game en versus avec quelqu'un dans Luigi's Mansion 2. Le problème, c'est quand il y a un jeu où tu dois faire un versus.
Tu vois, j'avais dit quoi les. Oh, ils sont stylés les. En gros, quand t'as un jeu où t'es obligé de que l'autre aille le jeu pour pouvoir faire un versus, c'est un peu chips. Parce que du coup, c'est long. Ah oui, ils se sont tous fait attaquer. Mais les Ectochiens, du coup. L'Ectochien, il en est où? Où c'est le chien, Luigi? Disponible en... le 31. Sauf que à ce moment-là, ils savaient pas quand ils allaient sortir le jeu. Non merde, j'ai fait quoi? Ça met une vidéo de Kermendo. Ça met une pub. Donc bah bye les amis et à une prochaine vidéo.